Bonjour à tous et bienvenue dans ce monde hostile qu'est Colonecraft. Dans ces jungles épaisses et inquiétantes, le danger est partout. Dix personnes volontaires ont décidé de tout quitter pour tenter la grande aventure. À eux de montrer de quoi ils sont capables, à eux de surmonter toutes les difficultés. Au départ, ils étaient 10. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Salut tout le monde, c'est Zeluix et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7, alias dernier épisode de Colonecraft saison 1 en compagnie de nos 4 derniers participants. Bonsoir. Bonjour. Swing. Pareil. Bonjour. Alors donc je vais vous expliquer, donc vous vous situez sur un truc en bedrock tout gros. Ça me fait penser au... Moi ça me fait penser au The Wall. C'est un gros jeu. J'entends par là que ça va durer longtemps. Alors, je vous explique tout de suite les règles. Donc, vous voyez qu'il y a 4 bases. Une chacun. C'est toutes les mêmes, presque. Le but est d'avoir une pioche en diamant. Donc, il faudra survivre et tout ça pour avoir une pioche en diamant. Pour pouvoir sortir, car ici, la porte est en obsidienne. D'accord ? D'accord. Et malheureusement, le dernier arrivé sera malheureusement éliminé. Directement. D'accord. En gros, alors... c'est un diamant de rush, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord, vous avez pas le droit. Je suppose alors... que le diamant est dur à avoir. Maintenant, ouais. Les interdictions. Ouais, c'est super comme effort. Les interdictions. Tu peux répéter, faut juste la pioche en diams. Faut juste la pioche en diams, c'est le plus important. On a le droit à l'X-ray. Non. Alors, les interdictions. Interdiction d'aller dans la base adverse. Et interdiction de détruire les émeraudes. Ouais. Les blocs d'émeraudes. Ouais. Ok. Allez-y, choisissez une base. Attends, on peut me filer MCI déjà. Oui, moi aussi. Oui, je vais vous heal, vous inquiétez pas. Tu nous dis quand on commence. Allez-y. Il faut juste une pioche en diams. Oui, une pioche en diams pour ouvrir la porte. Juste pour savoir, il y a combien de diamants dans notre truc? Il y en a plus que 3? Il y en a plus que 3. Ok. Non, c'est quoi, je peux. Il y a un peu de fer, il y a un peu de charbon et tout ça. C'est vrai, t'as une minute. On peut MCI et me feed. Attends, est-ce que tout le monde a une base? Oui, oui. Yes. Alors vous avez commencé dès que je vous dirai go. Attends, je vais vous heal. Et une fois qu'on est passé dans le truc, on fait quoi? Aussi, aussi. Eh ben, vous avez gagné, vous êtes qualifié pour... Ah oui, 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 bien. Attention. Oui, vas-y. 3, 2, 1, go. Bonne chance. Je suis sûr que mes morts, il a extrait. Je signale à mes viewers que si quelqu'un gagne alors qu'il le voulait pas, il n'avait pas extrait, je leur fais entièrement confiance, ça fait... un an qu'on se connaît déjà, donc c'est bon. Ça sert à quoi d'utiliser ce mec? Ouais. Et encore, il y avait un enjeu. À part son target. Donc ce sont des épreuves réputées chiantes. Ouais. Mais la deuxième, vous allez pas l'aimer. Parce qu'il y en a deux comme ça. Oh. Celle-là, les gars, je trouve. Elle est sympa. C'est celle à côté avec le sable, la deuxième. Oui. Ouais, je croyais que t'étais un participant, Choco. Non, non, je dis coucou. Tiens, d'ailleurs, je vais te hop pour te mettre en vanish. Ouais, vas-y. Hop. Il y a de la stone quelque part ou moins? Slash vanish. CH à la fin. SH à la fin, pardon. Il y a de la stone quelque part ou pas? Ouais, y en a. Oui. Je sais pas, je suis quand même pas mal descendu là. Je suis en vanish. Moi, je suis tout en bas, j'ai déjà 3 diamants. Bien.
Ouais, je confirme, je vois. Merci Choco, qui va d'ailleurs me les donner tout de suite. Alors, mon temps record dans cette base est 5 minutes. Ouais, mais t'as rush, tu savais où vous étiez ou quoi? Oui, non, je savais pas où vous étiez. Et j'ai rush, oui, exact. Ah, moi, si tu vois des bulles, c'est moi, t'inquiète, je regarde. Ok. C'est pas un fantôme. Oui, d'accord, je sais que c'est pas un fantôme. Merci. Je suis plus en mine, hein, Zelux. C'est bien d'être en game mode, tu vois tout. Si tu l'as eu. Les diamants, ils sont n'importe où ou ils sont au fond ou... Ils sont n'importe où, ils sont plus vers le fond quand même. Ok. Et il y a. Ah oui, il y a d'ailleurs. Et oui, faut du fer et tout ça. Et je vous ai mis un peu de charbon aussi pour que vous ayez un peu de torche. C'est quoi la couche du tout au fond, pour savoir? Il y aura de la bedrock. Ouais, mais c'est bedrock, ouais. C'est... Tu peux regarder ce qu'il y a dedans ou pas? À part de la stone et de la dirt, j'ai rien trouvé. Voilà, Poney est parti pour te le dire. Combien les coordonnées. Enfin, la couche. C'est 89 la profondeur. Ouais, voilà. Ah, ok, d'accord, j'ai compris le truc. Je regardais juste. D'accord. Ah, c'est pas mal. Et il y a des grottes? Non. Non. Il y a le même nombre de minerais chacun, mais ils sont pas disposés pareil. En fait, c'est du gros coup de bol. Ouais, voilà. C'est de la survie. D'avant, en fait. C'est de la survie. C'est de la survie, comme dans un PVP, si tu trouves plus de diamants. Il y a tout dans Call of Craft. De la survie, de la culture, pour l'épreuve des questions. Et. Voilà, culture, vite fait. Et le PVP. Tu vois Minecraft, tu sais après. Mais bon. Pas forcément, tu vois, parce que pas beaucoup de monde ne savait Farlons, par exemple, les terres lointaines. Si, moi je le savais, mais je savais pas le nom en fait. Ça me disait quelque chose. Je sais que c'était une génération trop bizarre. La physique ne répondait plus dans Minecraft. Ça donnait tout what the fuck. Oui. Ouais, voilà. Honnêtement, j'en savais rien. J'avais entendu ça une fois, c'est tout. Et le pot de fleurs, c'était en 1.4.2. Hein, en fait. Ah, mais putain, j'étais pas loin. J'aurais pas dû répondre. J'aurais resté. Et toutes les réponses viennent du wiki officiel en anglais. Donc, je me suis pas trompé. Moi j'aurais dit 1.2.3. C'est marrant de voir un mot creusé. Plus vite! Poney, mets-toi en vanille, s'il te plaît. Merci. Tu vois tout ce que tu fais. Il y a du fer au moins dedans, parce que oui. Pas de fer là. Il y en a. Je vais regarder les autres. Il y a de tout. Et les diamants, ils sont surtout au fond. Oui. Surtout le fer, il est surtout au fond, surtout au milieu. Il est partout. Et j'ai quand même pressé. Dehors. Il n'y a pas d'or. J'estime que ça sert à rien. Oui, c'est ça. J'ai dit surtout dehors, tu m'as dit il n'y a pas d'or. J'ai compris, il y a de l'or. Il n'y a pas d'or, ou un truc du genre. Punaise. Quand tu fais Isophis le barbare, c'est la même chose, c'est de la chance. Mm. Ouais, non. Mais tu sais comment t'as galéré contre Xelotis, c'est pareil. Je l'ai atomisé. Ah, Amo, il a eu une déco. Yes. On a encore une chance. Il s'est déco brutalement, donc je sais pas. Ah bon? Ouais, j'étais devant lui. Je suis déco? Oui, t'as déco. T'es déco? Bah, je me vois encore quoi. Donc, écoute, j'ai miné. C'est possible qu'il y ait un problème. Et ça doit trop vite quand même. Et je suis encore quoi. De toute façon, je t'ai trouvé 2 diamants. Bah, déco, déco, reco. Déco, reco, ouais. C'est ce que je viens de faire. Oui. Non. J'ai gagné. GG. Ouais, il a gagné. Putain, l'enfoiré, non. Et c'est pas fini. Faut que tu sautes. Faut que je saute? Ouais. Ouais, saute. Il y a pas de fer, c'est hallucinant. Je vais où maintenant? Tu vas te faire voir. Tu vas sur l'île la plus proche. Il y a un filon de fer dans toute la map. Je peux le TP sur son truc? Non, il y en a. Attends, je te TP. Ouais, bah vas-y, Choco, occupe-toi-en. Je peux le TP sur le truc d'Emeraude, c'est super vite. Hein. Ouais. J'ai regardé tout, il a fait des super. Attention, il va faire nuit, vous aurez des mobs. Moi, ça pourra m'aider, tiens. Mais vraiment, parce que j'ai. Ah ouais, les zombies trouvent du diamant. Du fer, c'est vrai. Non, mais j'ai trouvé du diamant, donc du coup, je fais péter un creeper à côté, je peux avoir le diamant. Ouais, ce qui est bien. Target, t'as miné comme un porc. Mais j'ai pas de fer en fait, c'est ça. J'ai du fer, je finis. En fait, j'ai miné stratégiquement en fait aussi. J'ai miné tous les côtés, sur tous les côtés. Et j'ai fait ce que je fais. C'est ce j'ai que fait une sur deux pour éviter de miner pour rien. Moi, je mine vraiment en tournant là où Nawak. Et voilà, ça c'est bon, ça c'est ta manche. Soit t'as juste la chance, soit tu tombes direct. Soit t'en trouves jamais, tu tournes en rond et tout. C'est ce que je fais. Là, il y a combien de gagnants? Il y en a 2, c'est ça? Il y a pas une potion qu'on peut se mettre où on voit pour tout voir blanc, enfin sans. Non, y a pas une potion que tu fais pour voir dans la nuit?
Night Vision nocturne. C'est Night Vision. Des trappes sous la lave. Comme ça, je vais voir parce que celui que je regarde là, il a pas mis de torche. Je vois rien. Moi, j'ai mis aucune torche. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comment j'ai sauvé que j'ai des dalles. Alors, je suis chez qui là? C'est miné à l'arrache là où je suis. Oh la vache. C'est sûrement chez moi alors. D'accord. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, je viens de comprendre. Putain, ça va être encore une épure chiante, tu vois. Plus, elle est plus chiante que celle-là. C'est très très chiant. Attends, je creuse un peu pour voir. Pêcher 1000 poissons. Le premier okay. qui réussit gagne. Je comprends pas trop là. Ah, c'est atroce. Ouais. Wow. Qu'est-ce que t'as fait, Zelouis? J'ai rien fait. Oh, il est sérieux. Ça va être compliqué. Je prends mon filon de fer et c'est bon. Le deuxième est ici. C'est arrivé. C'est qui est arrivé? C'est Playmore. Si j'ai Playmoule. T'as plus de bois? Plus de bois. Ah ah. Oh putain. Comment t'as réussi à plus avoir de bois? T'as tout mis dans le four. T'as pas replanté? Putain. Go avoir un squelette. Attends, si j'ai. En fait, la prochaine épreuve, c'est du fight, non? Zalux, pourquoi y'a pas les mobs? Parce que je sais pas du tout. Bah les oui, mais moi j'aurais besoin d'un squelette. Pourquoi il y en a deux qui ont spawn. Mais en fait là, c'était un. Ils sont. T'as plus. Ils... Et prends les saplines, enfin t'as des saplines. Ah oui, et je vais pas attendre que ça pousse. Bah si, t'as pas le choix. Mais non. T'as pas le choix, hein. Bah c'est bon, et bah je suis foutu. Laisse tomber, il faut 3 jours, hein, c'est terminé. Bah, Amo, il va non, il faut pas 3 jours, hein, ça dépend. Et y'a pas les mobs. Il faut de la lumière à côté de la pousse aussi. Amo, ça va peut-être lui arriver la même chose. Ah oui, 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 ça va pas tarder. J'ai un camp de comfort juste 8 pioches donc. Pourquoi ça que j'avais si peu de bois? J'ai non, mais c'est ans, pas quoi. Possible! Bah, il a tout utilisé pour faire du charbon peut-être. Oh putain! Moi j'ai torché à aucun endroit du coup. Tu les as voilà. utilisés pour faire quoi? Des torches. Ah, t'as fait des torches? Moi j'en ai fait 5 des torches et j'ai pas trouvé de charbon moi! Des torches, je l'ai pété, je l'ai ramené. Ah, y'en avait un. À un moment plus, il l'a pas trouvé. Ça m'a amené que ça! Y'avait du charbon? Ouais, il y avait du charbon. Bon, bah, du coup, j'ai presque rasé tous les blocs en bas. Du coup, et là, c'est possible, Iso, que tu gagnes encore. Eh. Mais non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Un arbre, 3 jours à non, pousser. Non, un arbre, ça peut pousser en 5 minutes. Et puis Amo, ça va lui faire peut-être la même chose, donc plante. Jamais. C'est qui est descendu en colimaçon? C'est moi. Moi, je. Oh, Amo. Amo, c'est pas la nuit, il a pas de bol. Si je trouve pas de diamant là, je te jure, je rage quitte. Et ça sert à rien de miner tout ça. Mine oui, tous les deux blocs. Parce que là, tu fais des grandes salles, ça servira à rien. Ah, je suis d'accord. Oh, ça mine. C'est peut-être au-dessus, hein. Juste au-dessus, ouais. Tu crases un bloc et t'en as. Putain, ça mine. T'as la bedrock en plus. Mine pas comme que... ça, fais des lignes. Iso, je vois pas comment t'as pu utiliser tout ton bois. Hein. Mais j'ai pas de charbon. Ah, t'avais pas de charbon. Mais tu. Ce qu'il fallait faire, c'est faire cuire que 3 fers. Bah oui, rien de plus. J'ai utilisé 2 pioches en fer. Bah fallait en utiliser qu'une. Fallait au moins tu lui. Faut s'organiser hein. T'aurais dû laisser 3 utilisations marrant, à la pioche. Et t'aurais pris des pioches en pierre à la place. T'as allé à moitié de fer. Ça m'énerve. Moi ma technique c'était pioche en bois, ensuite 2, 3, même 5 pioches en pierre. Moi je me suis fait des pioches en pierre, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Puis après je trouve 3 fers, une pioche en fer, je mine toujours avec mes pioches en pierre. Target il a été vachement vite hein. Ouais, bah c'est parce qu'il s'est bien organisé. Moi j'ai été à la même vitesse que lui. Mais en même temps, je connaissais un peu l'épreuve. Moi je serais arrivé dernier dans cette épreuve. Avec le bol que j'ai, c'est n'est. Putain. Allez, Amo. Allez, Amo. Iso, t'as pas de chance hein, parce que j'ai pas le droit de te dire si l'arbre il a poussé ou pas. Donc si t'es encore en mine ou quelque chose comme ça. Mais non, je suis dehors là. Allez, Amo. J'attends que mon arbre il pousse, je peux faire que ça, mais c'est fini de toute façon. Attends, Amo, il a pas encore des pioches infinies. Tu peux péter la stone à la main. En ouais. Attendant. ça se trouve, tu vas en péter 3 et tu vas trouver le dernier diable. Non, mais il a raison. Hein. Tu sauras où il est déjà au moins si tu perds pas de temps. C'est plus long, ok, mais. Enfin bon, après le temps que tu vas. Ouais, je sais pas, c'est. Bah, au pire, on peut lui dire si l'arbre il pousse ou pas. Ça se trouve, t'as encore une bûche quelque part dans un four, Iso. Et puis ça se trouve, il y a du bois qui a poussé sous la terre. Je sais pas. Il s'est pas compté en fait. Ouais. T'as vu écoute, t'es dans la base adverse là, Iso. Genre, m'en fous. Ouais, c'est pas grave. Ah, t'en as plus que 3. Iso, ton arbre il a poussé.
N'importe quoi. Je rigole. On arrête, c'est pas pour lui. En tout cas, à moi, ça pioche. Ouais, bah ouais. C'est terminé. À moins que pendant qu'il coupe. Bah non, ouais, non. Bon, et ben. Oups, je me suis trompé. Arrête ça. Là, il a pas fini encore, c'est vrai, il va mourir de faim avant là. La défaite, elle est pour Iso. Je suis désolé, Iso. Je suis désolé. Ouais, copain. Sérieux. Copain. Bon. Et ben, passons à la dernière épreuve. Faut que tu sautes, arrête. Allez, démettez-vous en vanille, ceux qui sont en vanille. Re tout le monde, on se retrouve pour la dernière épreuve qui va. Qui va faire quoi? Qui va définir nos deux derniers finalistes? Est-ce que vous streamez vous là? Ouais, oui. Alors je vais vous expliquer les règles de ce gros jeu numéro 2. Donc il y a des coffres qui sont cachés avec un livre pour être qualifié dedans. Le but est de miner à fond pour trouver votre livre. Attention, il n'y a que deux livres bons. Le dernier sera éliminé et nous connaîtrons alors les deux finalistes. Il y a des coffres fake. Ensuite, deux stacks de sandstone, vous me les donnez, vous avez une TNT. Et quoi? Je vous donnerai un briquet. Okay. Contre deux stacks de sandstone, vous avez une TNT. Ok, donc c'est encore une épreuve de chance. C'est ça. Eh bien, j'ai envie de vous dire... Pourquoi tu nous as pas pondu des épreuves de PVP? À votre pioche. Et, ils sont n'importe où, les machins. Oui. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Il y a 4 blocs de profondeur, je crois. Ouais, après, il y a de la bedrock. Alors attention, 3, 2, 1... Pioché. C'est très le lag. C'est très la chance. J'aime plus ce qu'il faut trouver. Des coffres avec un livre dedans. Il y a un livre. Pour être qualifié. Je rappelle que deux stacks, c'est une TNT. Ok, c'est bon, il y en a un. C'est bon, j'ai le livre. Putain, sérieux, mais c'est de la merde, c'était quoi? J'ai le livre. C'est bon. C'est le bon. Sérieux là? Il y en a 5 hein, des coffres. Est-ce que c'est le bon? Qualification, c'est, bon. C'est le livre. Ah, bravo, qualifié pour la finale de Commandant. GG. Ce n'est pas le bon livre. Oh fuck it! Playmore. Donc foiré. On a déjà un premier finaliste. Foiré. Il y a encore le choix entre Playmore et Target. C'est de la merde comme épreuve. Oui, c'est vrai. Mais j'adore ça. Tu peux être en game mode s'il te plaît? Ça, genre. Je suis content de trouver un livre. Deux stacks de sandstone égale une TNT. Ça sert à quoi la TNT? Moi je veux bien. Eh ben viens. Non je perds du temps. Bah une TNT ça fait exploser les choses et tu perds pas le livre quand si ça explose dans un. Bah, viens là où je suis moi. T'es où? Je lui donne. T'es là. The Lux là. Je suis là. Attends. D'abord je fais la target, il m'a demandé en premier. Je suis là. Je les ai jetés par terre. Deux stacks. Y'a deux scats près de moi. Choco, t'es là? Tiens, ouais, je te les ai envoyé ta TNT juste derrière toi. Ok, je te tiens. Alors, c'est Iso que. Non, c'est Iso. Playmore, où est-ce que t'es? C'est bon, on m'a donné la TNT. Ok. Mais comment on fait péter, tiens? On prend un autre truc. Merci. Ah, c'est chiant. Attends, je suis en vanille, je peux pas. Je peux péter. Voilà. Ah non, c'est un gaffe en dessous. Foiré. Ah, le mec a fait quelque chose. Quoi? Mets-moi en game mode 1 s'il te plaît. Ouais, je fais ça. Et en vanille, enfin OP quoi. Putain, mais j'ai trouvé aucun coffre, même info quoi. Putain. Flemmard, il y a retrouvé info. Oh putain, il était sérieux. Y'a combien de livres en tout? Il y en a 5. Il y en a 3 faux. 5 faux, TNT, 5 moi. Faux et 2. Une TNT. Une TNT? J'arrive. Echo. Tiens, les deux stacks sont derrière moi. Viens là où il y avait l'épreuve de survie. Je suis là. Je suis là. Derrière. Echo, viens. Je te les ai donné, les stacks qui sont derrière, c'est Bonnier qui les a récupérés. Ok, tiens. C'est bon. Neko, viens là. Venir chez moi, j'ai aussi la TNT à avoir. J'arrive. Là, je viens de sortir. Ah oui. Merci, je vais te les filer. Ah, t'es pas drôle. Tiens,
Hop. Vas-y, j'étais dans le trou. Vas-y, pète. Mais non, Kenjix. Ah, d'accord. Je savais pas. Ah. C'est quoi ça? Ah, fuck off. T'y croyais, hein, Target. Ouais, voilà, c'est sûr. C'était mon faux livre, en fait. Tu sais, je peux même te montrer où était l'autre. Moi, chameau. Bon, bien. Je vais perdre cette chance de merde. Tranquille. Poney. Sa mère. Chut, j'écris mon nom. Ah, ok, c'est dur à trouver pour quelqu'un. Mais arrête, ça se trouve, ça pourra activer des TNT. Oh, ça va. Zelwix, TNT. Oui. TNT. Et arrête, tu m'en fais, je vais creuser toi. Viens. TNT. Je suis là. Hop. C'est bon, juste la TNT, j'ai un briquet. Donne les deux stacks. Target. J'ai deux stacks moi aussi. C'est vrai? Oui. Je suis là. C'est quoi le machin de redstone? T'as fini de creuser dans le même trou que moi? Je mets derrière. Tiens. Hop, hop. Donc c'est quoi la prochaine épreuve? Enfin, la dernière. Oh, j'ai marqué mon nom, y'a aucun respect. Y'a pas de prochaine épreuve. Mais non, mais la finale quoi. La finale c'est en live. À Paris. Ah oui. Non, je déconne. Oui. Non, mon nom, bâtard. À Paris. Et elle va se faire où la finale, genre C'est déjà un coffre, putain. La finale se passera sur une autre map que j'ai mis longtemps à créer. Et Alexis m'a vraiment bien aidé. D'accord. Sans déconner. Sans déconner. Moi je dis, moi je dis ça se dispecte des glaçons après. Bon. Allez. Je peux plus courir, c'est normal. Ah, t'as plus de nourriture. Putain, sa mère, j'ai pas réussi à le prendre. Oui! Oh non, c'est un troll. J'ai vu un autre message, j'étais content. Coucou! C'est un troll. C'est qui en fait qui l'a fait ça? Moi. Ouais. D'enfoiré. Il y a plein d'endroits où vous avez pas été voir, c'est marrant. On peut me filer. Venez, c'est pas notre épreuve, y'en a plus. Bon, tu peux arrêter de creuser exactement au même bloc que moi. On peut me feed. TNT. Oui. TNT. Bon, attends, d'abord je fais TNT, hop. Donne-moi juste la TNT, j'ai un briquet. J'ai un briquet. Ah oui, c'est vrai. Mais... Ça vaut mieux pas que tu appuies sur le machin là. Non. Sur le levier. Non, fais rien. Fais une surprise. Mais toi, t'arrêtes de creuser, de te chercher dans mon trou. À moi. Là. Il est déjà ouvert. Il est déjà ouvert. Putain, c'est le truc, c'est que vous minez tous au même endroit. Il faudrait vous disperser. Il y a des ponts où ça n'a pas été miné. Il y a plein d'endroits où ça n'a pas été miné. Oui, mais là, on voit rien de là. Regarde, Target, là. Ça n'a pas été miné. Si, moi j'ai miné juste ici en fait. Si, ça a été miné. Là. Putain, et je retourne dans le même trou. Moi. C'est quoi ces bruits? Ah! Ma bite! Mais tout vite! Allo? Ouais, il y a eu un problème. Il y a eu un bug. Il y a un lag. Ouais. Arrêtez, vous pouvez pas vous mettre en vanille parce que moi je vois pas. Ah, pardon. Mais dégage, merde! Le monde n'est pas assez grand pour nous deux. Et je peux pas me mettre en vanish, mais moi en vanish. Ouais, bon, c'est pas grave, au pire. C'est peut-être la fin donc. C'est peut-être la fin. J'arrive pas à me mettre en vanish, putain. C'est bon. C'est que de la chance en fait. C'est pas... Ouais, mais c'est trop ça, c'est pour ça que ça me saoule en fait. Ouais, mais t'es pas obligé de creuser au même endroit. Si, parce que si tu trouves le coffre, je vais être là. T'arriveras pas à me le piquer en premier. S'il arrive, je rigole. Ouais, mais il arrive pas. Ah putain, mais on a déjà creusé partout! Mais ouais! Non, il y a un endroit où t'avais pas creusé. Ouais, je suis d'accord, je vois. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, on va à un endroit, on retombe dans une grotte déjà creusée. Vous avez besoin de TNT? Ah oui, putain, j'ai 3 stacks. Moi, oui, moi. Je suis la Target. Je sors. Je suis derrière Zelwix. Hop. C'est où que ça a pas été miné? Bon, qui c'est qui veut juste mes livres qui servent à rien? Hein, la TNT, je veux, ouais. Ah, je veux les livres, je veux voir ce qu'il y a marqué. Ou ça a pas été creusé. Tiens. Et marqué ce site un troll ou je sais plus quoi. Non, pas du tout. Si on va Putain. Ah, je suis qualifié, cool. T'as eu le livre de qualification Ouais, tu m'as donné le livre de qualification. Plémar.
T'inquiète. Bravo, vous êtes qualifié pour la finale de Call of Duty. Nous connaissons nos deux finalistes, enfin. De gros cons. Je vous propose de venir en live. La prochaine fois, vous serez prévenu 2 jours à l'avance du live de la finale. Où tout le monde, tous les participants de Call of Duty seront réunis, où vous pourrez venir. Il y aura 100 slots, vous pourrez venir nous regarder. Et on verra qui est le regagnant de Call of Duty saison 1. Je crois le pire, c'est que je suis passé genre à un bloc de celui-ci. J'étais à 5 blocs du bord quand je me posais 1. Je suis désolé, Playmore. 5, j'étais à le bloc là. Il a juste lâché une TNT. Hein. Ouais, et c'était au bord de la TNT en plus. Si j'avais posé un truc à gauche, c'était fini. Eh bien, j'ai envie de vous dire à très bientôt, les amis. Tchuss. Bah c'était vraiment sympa, c'est une bonne expérience qui aura mis du temps à se faire, mais bon, c'était sympa. Je suis content qu'on soit revenu un petit peu avec les jaunes au fil de l'aventure, vu qu'au début c'était vraiment catastrophe. Je pense que personne ne croyait en nous. Et bon, bah voilà, je suis malheureusement éliminé sur une erreur vraiment débile. Mais bon, c'est pas grave, j'ai gagné l'épreuve d'orientation, donc je suis plutôt satisfait. Arrêtez de me brûler. Donc voilà, merci à toi et j'espère que ça marchera aussi les prochaines saisons. Bah cette série était très bien. Dommage qu'on a mis si de temps. Dommage qu'on a mis tellement de temps à tourner, mais bon, ça m'a fait découvrir plein d'amis et tout, donc c'était super sympa. Dommage que la fin se jouait plus sur la chance que sur les plus forts à Minecraft ou autre chose. Mais c'est pas grave, c'était une bonne expérience.